Ah, Mimi de Mandaril. Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau let's play. J'ai trop hâte. Comme l'année passée, je sais pas si vous étiez là déjà, mais l'année passée, j'avais fait un let's play spécial pour Halloween. Donc en gros, j'avais joué à Little Nightmare. J'avais sorti 4 vidéos les 4 semaines qui précédaient Halloween. Cette année-ci, on fait la même chose avec Little Nightmare 2. Du coup, je sais pas s'il faut avoir joué au 1 pour regarder le let's play du 2 pour jouer au 2. Mais je pense pas. En tout cas, je me suis rien spoil du jeu. Du coup, j'ai trop hâte. Ça fait des mois que je l'ai. Et vraiment, j'ai trop hâte d'y jouer. Du coup, je sais pas quand sortiront les vidéos, ça va être un peu aléatoire à mon avis. En tout cas, on est parti. Je reprenne un peu mes marques. On peut parler? Je sais pas à quoi ça sert à part se faire attraper plus vite, mais... J'espère que ce n'était pas encore. Je tente des trucs, hein. Je pense qu'en termes de chapitres, il y a 6 ou 7 chapitres. Mais je sais pas si ça prend en compte le prologue et la fin. Let's go. Mais du coup, je pense que je ferai un chapitre ou deux à mon avis, par épisode. Mais pour le premier, je pense que je ferai le prologue plus le premier chapitre, du coup. Puis après, je verrai si je prends longtemps à faire des chapitres ou pas. En train de parler pour oublier que je joue à un jeu d'horreur. Je suis vraiment fail là-dessus. Il trébuche aussi. Tu vois, j'ai gardé mes réflexes en vrai. Du coup, j'avais joué un peu au DLC. Mais j'ai pas fait tout le DLC du 1 parce que
Il y a un moment où ça buguait, où en gros j'avais besoin d'avoir 4 gnomes avec moi pour m'aider, je pense. Parce que le DLC était... beaucoup plus axé sur les petits gnomes, là. Ceux avec leur chapeau pointu. Et du coup j'avais besoin d'eux pour m'aider, sauf que j'en avais pas assez, genre j'en avais un qui s'était perdu. Et j'avais pas pu faire la mission. Par contre les dessins sont toujours aussi magnifiques. Un truc là, non? Je le savais. C'est une blague. Trop la confiance là. Ah, oh, j'ai cru que c'était des feux de camp. Mais c'est des fucking pieds jaloux. Il est un peu plus... Enfin, je sais pas si c'est un garçon ou une fille. Un peu plus de force que... Six. Il y en a dans les feuilles. J'ai trop la confiance là, je tente des trucs, je sais que c'est dangereux mais... J'ai déjà tellement peur. Le début de la fin, je pense. Finalement, c'était rassurant la forêt. Depuis que j'ai joué au truc avec le cuisinier, je trouve qu'on y restait au sol, caché là. Je suis très bien. Ça me perturbe qu'on n'ait pas de lumière comme dans le 1. Mais je suis allée par où?
prendre ça. Si je peux. Ah. C'est la musique du 1. C'est pas un méchant, lui. Il devrait quand même pas utiliser un enfant démoniaque. Mais il va être traumatisé. Le pauvre. Ah. C'est une cinématique. Pour ça que je peux parler. Mais il a compté les jours sur le mur, le pauvre. Mais ta boîte à musique. Tu lui as ramené sa boîte quand même. Ah. Bon bah je peux pas lui ramener sa boîte. C'est quoi ce bruit? J'ai eu trop peur. On dirait les gens dans Coraline. Mais ça m'a fait penser aux cuisines dans le 1. Avec les gens qui mangent à table, ça me dégoûte. Oula oula. Qu'est-ce qu'il fait? Mais je suis pas sûre de vouloir moi. Comment elle est là? Au moins, je suis plus toute seule. C'est un truc comme ça que je devais faire dans le DLC et du coup on n'était pas assez pour pousser je sais plus quoi. Du coup j'étais bloquée. Ah. Ça c'est bien pratique quand même. Avec ça, c'est quoi ces poupées là? Je sais pas faire des petites poupées comme tout le monde. Ah.
ça, c'est du travail d'équipe. J'étais pas sûre qu'il y en aurait dans le 2 du coup. Je m'étais dit que c'était peut-être des petits bonshommes qu'il y avait que dans le 1. Mais je les aime trop. J'ai tellement envie de me faire un tatouage d'un petit gnome. Quoi, et mon pote, je vais le laisser tout seul. Oh, j'aime trop cette musique. Mais ça va, il va faire toutes les cachettes de la pièce ou bien... Elle me suit. J'espère qu'il y a un truc intéressant après. Ah, la lumière. Mais il est où? Ah, mon pote. Le retour. On va pouvoir ouvrir la clé, le verrou. On s'en va. Fuyons. Mais dehors, c'est bien sinon. J'aime pas ce bruit. Les plans sont magnifiques. C'est horrible. Mmh.
gun. Je vais suivre mon pote. Bug en plus. On va se... Oh, c'est trop mignon. J'allais dire, en vrai, ça va. Je préfère qu'ils aient des masques plutôt qu'on voit vraiment leur tête. Genre, ils voient pas. Je suis avec un gros sac sur la tête et ils me voient pas. Il peut passer quand même. S'il nous attend de l'autre côté, je pète mon crâne. En tout cas, c'est vachement rassurant d'avoir quelqu'un avec moi. Bien de pour parler à quelqu'un, trop mignon. En vrai, si je sprint, on n'a rien vu. Je suis tendue. Il est adorable. Oh, j'aime trop. J'aime trop ce genre d'interaction. Oh, ça va sauvegarder. Je suis trop méfiante quand ça sauvegarde. Mais je suis vraiment choquée qu'il nous tire dessus, genre. Mais. Il a trop la confiance. Mais attends. Il m'a flingué. Je l'attends qu'il recharge à chaque fois.
Fiori. Non, pas dans l'eau. Dans le DLC, il y a un truc qui se passe dans l'eau. Où il y a un monstre et tout, genre c'est affreux. Ça va, les sauvegardes se font assez régulièrement. Que je fasse comme mon pote en fait. C'est marrant qu'il y ait des petits cœurs partout comme ça. De sa poteau. C'est horrible, je sens les battements du cœur dans la manette quand il est sous l'eau. Ces oiseaux de mort là qui nous font repérer à chaque fois. D'attendre chaque fois. Genre on va lui tirer dessus. Vérifier qu'il est mort. C'est affreux. Oh, il y a de l'eau. Oh.
Oui, il est pressé, lui. J'espère qu'il va rester avec moi tout le long. C'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Comme ça, je pense que j'ai fait le prologue et le chapitre 1. Et du coup, on se gardera la suite. Pour la suite. En tout cas, je suis trop contente de reprendre ce let's play. Si jamais vous êtes content que je reprenne les vidéos, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas déjà fait, tout comme d'habitude. On se dit à bientôt. Je sais pas encore exactement quand, mais on se dit à bientôt pour les prochaines vidéos. Bye!